Vu que je te fasse connaître sur la toile, mais c'est pas moi. Parce que hier, pendant que tu étais à fond dans les messages avec les trucs là, j'ai compris ton problème. Tu voulais absolument que je parle de toi. Mais je vais parler de toi sans dire ton nom, parce que tu n'es pas important. Tu te reconnais. Quelque chose, son nom finit par masturbation là. Son nom finit par masturbation. Digba brèche dans sa bouche comme ça, on dirait entrée de l'aéroport de Paris là. Ma chérie, quand tu es vilaine comme ça et puis garçon ne veut pas de toi là, faut pas en vouloir ce garçon là. C'est parce que tu es vilaine. C'est-à-dire qu'un garçon ne veut pas d'une fille qui est laide, elle dit qu'il est pédé. C'est tout ce que vous savez, vous trouvez à dire. C'est-à-dire depuis que je suis sur la toile là, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé autre chose pour m'insulter que de dire pédé. Moi je ne comprends pas. Est-ce que les pédés là, ce n'est pas des êtres humains? Être pédé là, c'est un homme qui est, d'après vous, qui est pédé là. Et ça veut dire que c'est vos hommes là, ceux que vous appelez vos maris là, c'est eux qui couchent avec les pédés. Parce que pédé baisse pas pédé. Celui qui baisse pédé là, c'est un hétéro. C'est celui qui est homme là, c'est lui qui est censé être homme pour aller baiser femme là. C'est lui qui vient baiser pédé. Donc ça veut dire que vous avez échoué quelque part, ma chérie. Et c'est à cause des vilaines filles comme toi là que les garçons sont obligés d'aller baiser d'autres garçons. Des vilaines filles comme toi. C'est-à-dire qu'on te met et puis on met un garçon. Il préfère prendre le garçon là. C'est qu'il y a un problème. Faut pas en vouloir à ce garçon là d'être joli, d'être beau. Ma chérie, on te met, toi tu dis que tu es femme. Hein? Tu as tout ce qu'une femme doit avoir. Et puis lui qui est garçon là, celui qui est ton gars, ça va le prendre. Faut te poser des questions. Faut te poser des questions. Tu es là, tu es maquillé sur Facebook, on dirait que tu t'en fais mardi gras là. C'est sur moi, toi tu es arrivé quoi? Que toi tu vas me laver. Toi tu peux me laver. Tes parents là, les Makosso là, ils ont essayé de me laver, ils ont vu ce qu'il y a dedans. Moi je les ai lavés avec éponge en fer. Tu connais éponge en fer qu'on prend pour laver derrière ma mite là? C'est ce que j'ai pris pour les laver. Ils sont au courant. Donc là, quand tu vas venir te jeter dans ma ligne de mire là, hein, je vais m'occuper de toi mais proprement. Tu vas pas comprendre ta vie en France ici. Tu vas rien comprendre de ce qui va t'arriver. Une saleté comme toi, tu vas m'empêcher de dire mon mécontentement par rapport à la barbarie de tes bâtards de parents là. Toi, tu peux m'empêcher de dire mon mécontentement. Il y a même l'homme qui n'est pas toi. Toi, tu vas rentrer dans mon inbox pour me dire pourquoi est-ce que je vous ai insulté. Je vous insulte encore, vous tous, vos babillés, vous les Congolais. C'est moi qui ai dit ça. Si tu n'es pas contente là, c'est comme ça que ça est. Toi-même, comme je commence par toi d'abord, toi ta mère con d'abord pour commencer, toi la chienne là, qui a grosse brèche dans ta bouche, tu es vilaine comme ça, garçon veut pas de toi, ça te fait mal. Ma chérie, malgré ta prostitution que tu fais à Paris là, malgré que tu te prostitues là, les garçons ne veulent pas de toi. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Malgré que tu te prostitues, tu es les gens de prostituées que le client fuit. Le client, il arrive pour venir choisir une prostituée. Vous êtes, on vous voit à Château Rouge là. Vous êtes colmanté comme ça. Vous rasez tous les murs de Château Rouge. En train d'attendre le garçon la nuit jusqu'au matin. Quand le gars, il arrive et puis il regarde ton visage de la moche, il préfère partir baiser cuit de garçon que de baiser une sapinée comme toi. Toi, tu as t'arrêté pour dire que tu as discuté avec moi. Tu veux discuter avec moi? Attends, j'arrive, il ne faut pas courir. J'arrive, ne cours pas. Il y a une pétasse comme ça, un dent cassé, vous allez brûler le drapeau de mon pays. Je parle de ça, tu rentres carrément dans mon inbox que toi tu vas me faire regretter d'avoir insulté les Congolais. Ta mère, quand même, pour commencer, qu'il ne faut pas y aller mêler tous les Congolais. Je commence par toi, avant d'arriver aux autres là, je commence par toi, ma chérie. Toi, ton nom qui finit par masturbation là, tu sais, tu te reconnais, toi. Tu te reconnais. Ta mère, comme toi, va laver l'odeur qui est dans ton con là. C'est-à-dire que ta chatte qui est pleine de bêtes blanches là, il va chercher à trouver médicaments de chlamydia. Et puis après, tu reviens parler avec moi. Quand tu es femme et puis ton coin est ouvert, on dirait un portail de ton pays là, ton coin est pâteux comme ça et puis les garçons refusent de te baiser là. Faut pas m'en vouloir, ma chérie. Faut pas m'en vouloir. Va trouver un médicament à cela et puis tu reviens parler avec moi. Toi, tu es là à cause de toi, mouche est remplie partout, tellement qu'il y a l'odeur de ta chatte là, empêche les gens de respirer. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que toi, tu vas me laver. J'attends que tu me laves. J'attends ton seau d'eau là pour venir me laver. Bâtarde là, une imbécile comme toi. Vous les Congolais, vous pouvez vous comparer aux Ivoiriennes. Quand vous nous regardez là, quand vous les Congolais, vous nous regardez là, vous pouvez vous comparer à nous. Déjà, apprenez à parler français déjà. Parce que j'ai lu les commentaires hier là. Ça m'a donné la migraine. Hier, je suis au travail très tard. Je voulais faire mon direct hier nuit.
Mais il faisait trop nuit, je ne pouvais pas faire de direct. J'ai eu mal à la tête avec vos commentaires. Vous ne savez même pas écrire correctement en français. Tellement que vous ne savez pas écrire en français, vous êtes obligé d'écrire en lingala. Nous, on ne sait pas lire lingala. On n'est pas tous congolais. Et puis, on n'est pas au Congo ici, on est en France. Donc, il faut écrire en français. Il faut écrire en français. Il y a eu un commentaire où quelqu'un disait qu'ils vont frapper Aya. Mais j'attends le premier bâtard ou bien la première bâtarde qui va. Je n'ai qu'à entendre que quelqu'un a frôlé Aya. Je n'ai qu'à entendre ça seulement. Vous allez savoir que vous n'êtes pas seul en France ici. Je n'ai qu'à entendre que quelqu'un a frôlé Aya pour dire que oui, parce qu'elle n'est pas contente que vous ayez brûlé le drapeau de son pays. Des bâtards comme vous. Vous vous prenez pour qui? Depuis quand pied dans poche? Imbécile, voilà ici. Cochoco pique, je ne sais quoi là. Maturbation. Ma chérie, c'est de toi que je parle. Il faut aller laver, enlever l'odeur de ton nier là. Viens y tremper ça dans Javel pour toi. Y te fait asseoir. C'est-à-dire qu'il y a mettre l'eau chaude dans le couloir, mettre Javel gangrène dedans. Tu vas te positionner dessus. Le gaz là, ça va monter pour désinfecter ton sale con là d'abord. Et puis tu vas venir parler avec moi. Tu es malade. Toi, tu es bête ou bien ils ont joui dans tes oreilles. Ils ont joui dans ta tête, non? C'est moi, toi, c'est sur moi que tu es arrivé. Je vais m'amuser avec toi comme ça. Je vais jouer avec toi. C'est-à-dire que je vais mettre ma main dans ton nénépris là, dans ton con qui pue là, pour déboucher l'odeur qui est là-bas. Et puis après, toi et moi, on causait. Tu es malade ou bien? Moi, c'est frustré, mal baisé là. Parce que garçon refuse de te baiser, en même temps, il est devenu pédé. Donc, un garçon ne veut pas baiser ton cul là, donc il est pédé. Ma chérie, faut pas être, si tu es frustré là, il y a des godes. On vend godes partout, hein, dans les sex shops là. Va, tu vas t'acheter un gode vibrant, tu vas te foutre ça là où tu désires. Ça va te remettre d'aplomb. Si tu es frustré sexuellement, c'est pas de ma faute. D'accord? Va chercher un gode, tu vas mettre dans ton nien con là. Ça va te faire du bien. Parce que, apparemment, c'est ce qui te manque. C'est pour ça que tes neurones là sont en effervescence là. C'est pas à moi, hein. Si tu arrives sur moi là, ta brèche qui on dirait entrée de quartier là, je vais refermer ça pour te donner. Une chienne comme ça. Toi, tu peux m'empêcher de dire mon mécontentement. Tes parents bâtards là, ils ont brûlé mon drapeau. Toi, je parle de ça, tu rentres dans mon inbox. Genre, tu es trop femme quoi. Tu es trop gonflé quoi. Genre, tu es trop sûr de toi. Chienne zaïroise là. Rentre dans mon inbox encore pour me parler. Rentre dans mon inbox encore, tu vas me parler. Va, moi, je vais aller brosser ma bouche. Toi et moi qui n'a pas de brosse à dents, qui n'a pas de dentifrice, c'est vous qui êtes en France ici, vous n'avez rien. Quand vous dépassez quelqu'un là-bas, on dirait que vous vendez de l'ail. On dirait que vous vendez de l'ail. Odeur d'hydroquinone mélangé l'ail là. Ça est sur vous comme ça, vous vous promenez avec ça en France ici. C'est entre vous-même que vous pouvez vous baiser. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Un Ivoirien qui se connaît là. Un Ivoirien qui se sent propre là, il ne baisse pas un Congolaise. Non. Parce que nous, on vous trouve trop sale. Des vendeuses de chicoine, mangeuses de chicoine. C'est-à-dire que vous êtes là, la chicoine en train de faire sous-bâtiment dans votre vente. Chicoine en train de faire chose, fondation dans vos ventes. Avec des formes bizarroïdes, vous êtes tellement moche. Moi, je regarde une Congolaise de la tête aux pieds, il n'y a pas aucune qui m'excite. Vous ne m'excitez pas. Vous êtes tellement moche. Tu vois des rondeurs pas possibles, tu ne comprends pas. Au moment où Dieu donnait beauté aux gens, là, où étiez-vous? Vous vous prenez pour des sapins? Vous savez que devant les Ivoiriens, vous n'êtes pas sapins? Vous-même, vous connaissez? Parce que ce que vous appelez sapin avec mélange de couleurs, là, ça ne marche pas chez nous. Tu les vois arriver en mode arc-en-ciel quand tu connais l'énergumène. Toi, tu es malade. C'est sur moi, toi, tu es arrivé, quoi, ma chérie. Il y a une imbécile comme toi. Comment tu es moche? Tu as vu ta gueule? Tu as vu ta tronche? Regarde, moi, je suis garçon, là, je suis plus joli que toi, aller-retour. Il n'y a même pas match, ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Prends ma photo, puis mets à côté de ta photo. Et puis montre à garçon, il n'a qu'à choisir. Il va me choisir. Voilà. Parce que je suis joli plus que toi, aller-retour. Il n'y a pas l'homme chez toi là-bas qui est plus beau que moi. Voilà. Donc, faut pas être frustré. C'est parce que je suis plus joli que toi, garçon me préfère à toi. Toi qui, d'après toi, tu es femme là. Toi, tu n'es pas femme. Tu es un semblant de femme, ma chérie. Tu es un restangolo de femme. Et puis les bâtards garçons qui viennent s'arrêter pour dire que oui, que moi je suis quel genre de garçon, il fait parler avec femme là. Mon ami, si tu n'es pas content pour ça là, viens me dire un truc de travers et puis tu vas comprendre si c'est une femme seulement, il s'est fait parler. Vous êtes là, vous ne bandez pas correctement. Au lieu de chercher un médicament de coco pour vous soigner, vous venez vous asseoir pour dire moi je suis quel genre de garçon, c'est rentré de sortir là-bas. C'est une femme qui m'a provoqué, c'est pour ça que je réponds en femme. Maintenant, si toi garçon, tu viens me provoquer là, tu verras de quel bois je me chauffe.
Il y a un gars qui s'appelle le don Dieu, je ne sais quoi là. Mon ami, qu'est-ce que le genre de garçon je suis? Je suis le garçon qui a enlevé ton père dans le lit de ta mère. Voilà. C'est à cause de moi ton père a largué ta mère. Parce que le miel de ta mère là n'est pas doux. Il préfère le miel de ta mère, mon ami. C'est pour ça, c'est pour ta frustration qui est là. Je suis désolé pour toi. Voilà. Faut dire à ta mère d'apprendre à baiser. D'accord? En ce moment là, ton père va retourner peut-être dans son lit quand je vais le laisser partir. Sinon, en attendant là, c'est moi qui m'occupe de lui. Ça, si c'est ce que tu veux savoir, fils de pute, va. Imbécile là. Vous pensez que quoi? Vous pouvez vous permettre de venir vous asseoir, pour de brûler le drapeau de notre pays et puis on se tait pour vous regarder. C'est pareil, vous êtes congolais. Vous pensez que nous on a peur de vous? Vous pensez que nous les Ivoiriens on peut avoir peur de vous? Non, mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez, hein, vous les Congolais là. Vous êtes en plein cauchemar là. Vous pensez que vous allez brûler le drapeau de moi, mon pays. Et puis nous on va s'asseoir pour la fermer parce que vous êtes malade. Ça va pas chez vous à un moment. C'est-à-dire que arrêtez de manger chicoine. Hein. Je pense que chicoine a remplacé votre cerveau. Vous avez tellement mangé chicoine là, c'est ça qui est rempli dans votre tête là. Avec les perruques bidon vous mettez là. On ne peut pas allumer cigarette à côté de vous. On ne peut pas allumer cigarette à côté de vous avec les plastiques qu'il y a sur vous en permanence. Faux ongles, mille couleurs. Vous savez que je vous regarde même, mais comment un garçon arrive à bander devant ça là? Non seulement tu es vilaine, tu es mal habillé. Ta couleur est nauséabonde. C'est-à-dire que tu as 3000 couleurs sur toi seul. C'est-à-dire que tu la dragues la nuit. Hein? Matin, quand tu la... C'est-à-dire que tu la dragues la nuit, vous rentrez dans la chambre là. Quand elle commence à se déshabiller, tu penses qu'elles sont 8. Ben, chaque partie a sa couleur. Hein? Comme si ça ne suffit pas, voilà ventre devant. Chiquane a rendu ventre là, on dirait chose, je ne sais quoi. Mamie de Chapalo. Hein? Voilà sein. Un sein là, tu peux prendre pour le lancer derrière ici pour des choses. Allaiter un enfant. Des bâtards comme vous, on parle, vous venez vous rentrer dans mon inbox, je me dis que vous allez me répondre. Venez me répondre encore. Une n'a qu'à venir me répondre. Hier, vous fiez faire sa sauce proprement. Une des chiennes comme ça. C'est à faire, vous avez commencé. Il y a un vieux con, un vieux Congolais qui n'a rien dans sa tête. Sa tête, il a dit qu'il a calvitie, mais il n'a pas de cheveux. Tellement qu'il souffre. Tellement qu'il est misérable. Il vient dans mon inbox pour me dire que oui, si les Ivoiriens touchent les Congolais en Côte d'Ivoire, on va frapper les Congolais, les Ivoiriens qui sont au Congo. Il y a combien d'Ivoiriens au Congo? Il y a combien d'Ivoiriens au Congo? Dites-moi. Vous voyez combien d'Ivoiriens s'élever pour dire qu'ils m'avaient au Congo? Entre nous. Appelez-les-moi. Montrez-les-moi. Il y a combien d'Ivoiriens qui s'élèvent pour dire qu'ils m'avaient au Zaïre ou bien au Congo? Vous êtes malades. Vous voyez que nous on va derrière. Nous, on est devant vous. Et donc, on va pas reculer pour aller vers vous là-bas. Vous-même, vous êtes au courant. Nous, les Ivoiriens, là, on est devant vous. Et on a toujours été devant vous. Ça ne va pas changer. Pour votre pays qui est en chute libre, là. Votre pays est en chute libre. Nous, on n'a qu'à aller se lancer dans ce vide-là, et vous. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas? S'il y a des problèmes chez vous, là, ce n'est pas de la faute de Fally. Fally, c'est un chanteur. Voilà. Il vit de son art. Donc foutez-lui la paix des aigris comme vous là. Avant Fally, il n'y a pas de chanteurs au Congo. Avant Fally, il y a des chanteurs, il y a des gens qui chantaient au Congo. Ils n'ont pas fait ce que Fally fait au Congo là-bas. Ils n'ont pas fait ça. Donc Fally n'est même pas obligé de faire ce qu'il fait pour vous. Bande d'incrédules, des bâtards comme vous, des illettrés là. Comprenez même pas français. Vous venez parler à qui? Vous parlez à qui? Saleté, vous voyez à Château Rouge matin, midi, soir là. Saleté, bande de saleté, que vous voyez à Château Rouge matin, midi, soir là. Vous allez parler aux gens? Vous allez vous adresser à qui? Apprenez à parler. C'est-à-dire que quand tu viens dans un pays là, c'est la moindre des choses. Il faut apprendre à parler correctement la langue de ce pays qui est français. Vous n'êtes même pas capable de parler ça correctement. Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Apprenez à parler français, à vous exprimer en français parce qu'on est en France. La France n'appartient pas aux Congolais. La France n'appartient ni aux Congolais, ni aux Ivoiriens. Donc un Ivoirien a le droit et le plein droit de prendre son drapeau chez lui pour aller soutenir Fally. Pour lui dire que mon frère, la Côte d'Ivoire est avec toi, on est avec toi, on a le droit de le soutenir. Et aucun Congolais n'a le droit, ne peut nous empêcher cela. Est-ce que vous avez empêché le conseil? Malgré vos ouya, vous avez brûlé. Il y a un gars même qui est arrivé à Gare de Lyon là-bas. Il est descendu de la voiture. Il a pris le soin d'enlever la plaque d'immatricule de la voiture et puis il a mis le feu à la voiture. Eh, ça, c'est quelqu'un qui est normal. Eh, mais ne vous inquiétez pas. Oh. C'est que vous avez oublié là. Paris est criblé de caméras. C'est caméras qui est rempli à Paris partout. C'est ce que j'aime là.
À Paris, même, tu gifles quelqu'un. Là. Tu manques, tu n'as pas giflé. Ils vont venir te montrer la vidéo. Quand tu ne sais pas où c'est quitté. Ils vont te montrer où tu as commencé la discussion et quand tu es allé gifler. Là. Ils vont te montrer la vidéo tranquille. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous êtes caché. Hein. Le procureur de Paris a ouvert l'enquête. Ils vont vous attraper one by one, quel que soit le temps que ça va prendre. Ils vont vous attraper un à un et vous allez répondre. C'est-à-dire que l'acte criminel que vous avez commis avant-hier, là, le feu que vous avez mis dans une ville qui n'est pas la vôtre, hein, empêcher les gens d'aller au boulot, empêcher les gens qui quittent au boulot de rentrer chez eux, hein, arrêter les transports en commun à cause d'une bande de racailles comme vous, des imbéciles comme vous, vous ne comprenez pas français. Grâce à Dieu, vous êtes arrivé en France, au lieu de vous conformer aux lois de la France, au lieu de carrément, il y a une chienne qui vient me dire que oui, que voilà, que moi je suis en train de parler ça pour que pour qu'on me donne les papiers. Genre que moi il n'a pas de papiers, c'est pour ça que moi je viens parler et défendre les Français pour qu'on me donne les papiers pour que je sorte de ma situation de ma situation de rat de goût. Ma chérie, de toi à moi qui ressemble à un rat de goût, de toi à moi qui vis dans une situation de rat de goût en France ici, c'est vous qui êtes dans tous les égouts de Paris là. Tu vas à Château Rouge, vous êtes rempli là-bas dans les égouts là, vous les Congolais, c'est vous qui êtes dans les situations d'égout. Voilà, sache que moi je suis Français. Et je le dis, je le répète, j'ai la nationalité française. Voilà, donc je n'ai pas besoin de plus que ça. Voilà. J'ai la nationalité française, j'ai la nationalité ivoirienne. Et fier d'être ivoirienne. J'ai la nationalité française, je suis d'origine ivoirienne. Et fier d'être ivoirien. D'accord? Voilà. Et donc, je t'apprends aussi que je suis fonctionnaire en France ici. Je ne suis pas au chômage. Voilà, c'est vous, vos maris là qui ne bossent pas. Là. Vos gars là ne travaillent pas. Ils passent tout leur temps à chercher des garçons pour se faire entretenir. Vous passez votre temps à entretenir les garçons en France aussi pour qu'ils puissent vous baiser. Les Congolais, moi j'en connais plein. J'en connais plein. Ils sont là, ils vous aiment pas. Hein. Ils sont avec vous juste parce que vous pouvez les entretenir. Vous passez votre temps à vendre chiquane, à vendre tout ce qui est impossible pour pouvoir les entretenir. Juste pour pouvoir avoir un garçon dans ton lit pour te baiser. Tellement que vous êtes assoiffé de pin. Tellement que vous êtes. C'est-à-dire que vous souffrez derrière pin comme ça. Hein? Vous êtes obligé de payer pin pour vous baiser. Vous allez parler avec qui? Même les gars congolais là, ils préfèrent aller baiser cuit des garçons que de vous baiser. Tellement que vous n'êtes pas sexy, tellement que vous n'êtes pas attirante, tellement que vous êtes sale. Hein? Vous sentez l'ail comme ça, vous dites que votre parfum là est fabriqué à base d'ail. Votre parfum que vous mettez là est fabriqué à base d'ail. Vous sentez l'ail, vous les Congolaises là. Vous sentez l'ail. Voilà. Allez-y, changez, essayez de trouver une autre solution à cela quoi. Pour qu'un garçon puisse s'intéresser vraiment à vous. Voilà. Qui est mon messager là? Qu'est-ce qu'elle raconte cette idiote là? Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que tu sais faire. Ya, que ta bouche là c'est dans le direct. Ta bouche là c'est dans le. Mais si tu me croises, tu me fais quoi? C'est dans le direct. Hein? Ta bouche là c'est dans le direct. Tant tu peux te dire, ya, ma chérie. Il faut aller apprendre à écrire français, s'il te plaît. Va apprendre à écrire français. Et puis si toi et moi on se croise, si tu veux là, tu me donnes rendez-vous où tu veux. Rendez-vous, donne-moi rendez-vous tout de suite là où tu veux. Il est venu te trouver là, tu vas voir ce qu'il sait faire. Toi et tout ce qui peut t'accompagner. Tu vas voir si c'est dans le direct et puis il fait bouche. Non seulement j'ai bouche dans mon direct et puis il y a force pour mettre dessus. Le fait qu'il ait frappé quelqu'un à Paris et puis derrière vous filmez là, vous allez savoir quel genre de personne je suis. Toi, une chienne comme ça, une imbécile comme ça. Si je t'attrape, faisons qu'il y ait te frapper là. Tu vas pas croire. Il n'y aura personne pour te défendre. Parce que celui qui a venu se mettre sur ma route là, il va apprécier lui-même. Il va comprendre que ce n'est pas à moi. Imbécile là, ta bouche laissée dans les directs. Chienne. Va apprendre à écrire français et puis tu reviens parler avec moi. Chienne zaïroise. Voilà. Ce n'est pas le drapeau de Côte d'Ivoire, vous allez brûler et puis on se tait pour vous regarder. Bâtard que vous êtes. Carrément un grand chanteur comme Fally, que pourquoi non le soutient? On va le soutenir bien. Voilà. On va le soutenir très bien. D'ailleurs, même pause musicale. On va écouter une très belle chanson de Fally que j'adore. Voilà. Fally, c'est un grand artiste. Si nous ne voulons pas là, nous, on va le récupérer en Côte d'Ivoire. Point barre, bande de gris. Vous n'avez pas tout ce qu'il a eu là. Vous ne pouvez pas avoir ça. Parce que lui, c'est un bosseur. Il travaille, vous l'avez traité de PD chez vous là-bas. Et quand ça changeait quoi dans sa vie? Ça changeait quoi dans sa vie? Au contraire, même il ne fait qu'évoluer.
Tout ce que vous savez faire là, c'est de traiter les gens de PD. Quand quelqu'un est joli et puis il est propre, il devient PD en même temps. Mais Nana, Nana Ketchup l'aime comme ça. Voilà. Nana Ketchup là, elle l'aime comme ça. Oh, imbécile. Écoutez-moi cette belle chanson là. Vous n'êtes pas fiers d'avoir ça chez vous, des bâtards comme ça, imbéciles que vous êtes, bande d'incrédules, des chiens zaïrois comme vous êtes. Écoutez-moi ça là. C'est tout le monde qui arrive à chanter bien comme ça. Tout le monde arrive à faire ça là, imbéciles que vous êtes, bande de jaloux. Vous êtes jaloux de Fali. Vous êtes jaloux de lui. Arrêtez d'être jaloux, ça sert à rien. Fali a tout ce qu'il veut déjà. Il n'a pas besoin de vous. Voilà. S'il veut, il quitte le Congo, mais il change de nationalité. Ha ha ha.
que vous êtes. Écoutez-moi ça très bien. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Fally Ipupa. Voilà. Vous devrez être fier. Fier, mais je dis bien fier. Venez le soutenir. Il a quoi à voir avec la politique? Il n'a pas le droit d'avoir son parti. Il a le droit de supporter un parti politique. Que ça vous plaise ou pas. Voilà. C'est pas pour autant qu'il ne va pas chanter. Si vous voulez l'empêcher de chanter là, empêchez-le de chanter au Congo. C'est là-bas qui est chez vous. La France là, c'est pas pour vous, bande d'imbéciles que vous êtes. Bande d'imbéciles, d'inconscients que vous êtes. La France n'appartient pas aux Congolais. Je le dis, je le répète. La France n'appartient pas aux Congolais. Déjà, vous ne savez pas parler français. Voilà. Vous êtes dépigmenté de la tête aux pieds. C'est-à-dire que produit là, ça va être dans vos neurones maintenant. Maintenant là, ça va être dans vos cerveaux là. Produit là est rempli. Donc du coup, vous pétez un câble quoi. Vous pensez que vous allez péter un câble jusqu'à maintenant, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous allez brûler. Et puis nous, on doit se taire pour vous regarder. Ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Depuis quand? Depuis quand pied dans poche? Depuis quand Congolais va se croire mieux qu'Ivoirien au point de brûler son pays? Je pouvais aller payer drapeau de Congolais pour venir m'asseoir, brûler ça devant vous. Et puis ça va pas aller quelque part. Mais je suis pas comme vous. Je suis pas. Sinon, je serais pas. Je serais comme vous. Voilà. Je serais devenu comme vous en faisant ça. Sinon, la drapeau congolais coûte combien? Je me vais payer ça tout de suite. Là, je viens, je mets pétrole dessus et puis j'allume. Pour vous montrer que je peux faire pareil que vous. Et puis ça ne chauffe pas. Mais ça va servir à quoi? On n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil. Imbécile que vous êtes. Vous avez un complexe d'infériorité vis-à-vis des Ivoiriens. Ça a toujours été comme ça, ça ne va pas changer. Nous là, on est mieux que vous. On sera toujours mieux que vous. Voilà. C'est comme ça que ça est. Bande d'imbéciles. Carrément. Que oui, il cherche papier pour avoir, pour sortir de sa situation de ras d'égout. Quand il me regarde, il ressemble à un ras d'égout. Il y a une qui lui a répondu, ma chérie, regarde-le bien. Entre lui et toi, la personne qui est dans la situation de ras d'égout se connaît. Voilà. Ça m'a fait tellement rire son commentaire. Merci à toi, ma chérie, qui est venue lui répondre là. Toi, au moins, tu as des yeux pour voir. Une imbécile comme ça. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans le. Vous n'avez pas raison. Et puis, il n'y a pas un seul Congolais qui a fait une vidéo pour dire, ah, vraiment, nous, on est désolé par rapport au comportement de nos frères là. Ils n'auraient pas dû vraiment, on est désolé. Ça ne devrait pas arriver. Non, hein. Il n'y a pas un qui a fait un commentaire pour venir dire ça. Il n'y a pas un qui a fait chose, comme on appelle, une vidéo pour parler de ça. Tous, ils sont d'accord. Oui, on est d'accord. On a, oui, chose, il n'a pas à nous mélanger. Il n'a pas à nous mélanger. Ma chérie. Ma chérie. Djandjou comme toi là. Djandjou comme toi là. C'est pas ça qui a me fait peur. Une bordel sao comme toi là. Tu es trop petite pour m'effrayer. Voilà. Tu vas pas être ta figure ressemble à un extraterrestre que tu as pensé que tu peux m'effrayer. Ma chérie, tout ce que vous avez dit là, Aïcha Dalo, c'est ce l'injure là qui est la PD. Les gens ont trop entendu PD là. Changez de disque. Ce disque là est rayé. Changez un peu de disque s'il vous plaît. PD là c'est révolu. Voilà. Je vous ai déjà dit que PD là c'est mon nom de famille, non? Donc changez. Ou bien, écoutez-moi cette belle chanson de Singila et Kofi Olomide en plus. Des grands artistes comme ça, vous avez ça chez vous. Au lieu de les soutenir, bande de bâtards comme vous avez fait, vous ne mangez pas. Oh. Toujours, tu as au moins ça pour toi. So. Tu étais naturel. Je te préférais comme ça. J'ai hanté tes guenilles. Je t'ai mis tes vêtements de choix. Car à mes yeux, tu priais. Je voulais que tout le monde le voit. En un claquement de doigts, le monde a changé. Ne parlons que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. So, ah. Tu es devenu comme celle que tu ne supportais pas. Un peu superficielle. Qu'est-ce que tu fous là-bas? La vérité est qu'il a fait la même chose que moi. Donc puisque lui je dois prier. Si je veux que tu me retendes les bras. L'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté. Tu as passé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont émiettés.
Pour toi, je ne vaux plus rien. So, ah, donc voilà un peu, hein. Les Ivoiriens là. Les Ivoiriens là. C'est là qu'on doit vous voir réagir. Parce que quand ils ont brûlé le drapeau du pays, là, c'est nous tous qu'ils ont brûlé avec. Voilà. Parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire représente la Côte d'Ivoire partout. Quand le président de la République ivoirienne va dans n'importe quel pays, c'est pas sa photo qu'on affiche, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça nous représente partout dans le monde entier. Donc personne n'a le droit de nous écraser comme ça et puis qu'on laisse passer cela. Voilà. Les bandes de voyous qui sont quittés en Belgique d'après eux. Là. La Belgique, là, c'est l'Europe aussi. Voilà. Écoutez-moi la partie de Kofi Olomide, là, comment ça donne des frissons. Ah, moquer, moquer. On dit doucement, doucement. Doucement, doucement. Et... Mademoiselle a quitté les banlieues pour habiter dans le 16e à Paris. Elle ne mange que du caviar. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Est-ce que ce n'est pas mieux ça, jeune homme? Est-ce que ce n'est pas bien ça, jeune homme? Ton ex, c'est ma femme. Son homme. Aujourd'hui, je te garde. Yeah. Voilà. Donc vous les Congolais là, que ce soit la première et la dernière fois, je dis bien que ce soit la première et la dernière fois, qu'un bâtard, un éjaculateur précoce comme vous là, voyez-vous les, tous les garçons congolais là, c'est des éjaculateurs précoces. Voilà. C'est des vauriens, ils valent rien au lit. Voilà. Donc je dis que ce soit la première et la dernière fois qu'un bâtard comme vous là. Un bâtard entre vous prenne le drapeau de mon pays pour mettre ça dans le feu. Si jamais ça arrive là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus un seul Congolais. Ça, il vous dit ça. Hein? Parce que quand vous commencez les hostilités comme ça, et puis quand nous on termine là, vous êtes étonné de notre réalité. C'est-à-dire que quand on te provoque là, les gens ne voient pas où on t'a provoqué là. Hein? Ta façon de réagir là, c'est que tout le monde entier voit. Si jamais un bâtard entre vous prend encore le drapeau de la Côte d'Ivoire pour mettre dans le feu, il n'y aura pas un seul Congolais en Côte d'Ivoire. Et puis en France ici, ça va être la charia entre nous. Voilà. En France ici, là, il n'y aura pas un seul Congolais à Château Rouge. Ben, tous les matins, on va faire une descente musclée là-bas. Ah, si vous êtes prêts pour vous battre, on va se battre à 100 en France ici. Voilà. Comme c'est pour ça que comme on appelle, les Sud-Africains vous ont frappé dans leur pays là. Déjà, c'est pas vous, mais vous êtes des maudits aussi, c'est pour ça. Que vous êtes des maudits que les Sud-Africains vous ont pas loupé dans leur pays là-bas. À partir d'aujourd'hui, un seul Congolais n'a qu'à prendre un drapeau ivoirien pour dire qu'il est en train de brûler ça. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Imbécile que vous êtes, bande de bâtards. Voilà. Bande de bâtards que vous êtes. Je le dis et je le répète, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, je n'ai jamais eu peur de vous. Ça va jamais, ça va pas commencer aujourd'hui. Voilà. Celui ou celle qui n'est pas content, c'est comme ça. Des chiens comme vous là. Voilà, on va écouter École de Fali et puis on va se laisser là parce que, voilà, figurez-vous, hein, je travaille aujourd'hui encore. Voilà. Il y en a qui bossent en France ici. Nous, on bosse tous les jours. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. On est venu pour travailler. On n'est pas venu pour brûler le pays. Imbécile que vous êtes. Des chiens aïrois comme ça. Nous, on n'est pas venu pour brûler ici. Hein. On est venu pour travailler. Voilà. Et ceux qui veulent travailler, trouvent du boulot et se mettent au boulot. Ceux qui ne veulent pas travailler, ben rentrez chez vous. Voilà. Vous êtes venus à la nage, ben vous retournez à la nage. Point à la ligne. Venez pas nous emmerder ici. Imbécile. Oh! 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 D'avoir un gars comme vous, comme ça chez vous, au lieu d'en être fier,
bande de maudits que vous êtes, bande de voleurs, bande de vauriens. Parce que tout votre temps volé en France ici seulement. Tu vas dans tous les supermarchés, c'est vous qui volez là-bas. Dans tous les supermarchés où on va habiller, en tout cas, on attrape voleurs là-bas, c'est Congolais. Tellement qu'ils pensent qu'à s'habiller, en plus ils s'habillent mal. Ils ne savent même pas s'habiller. Plein de couleurs mélangées sur vous là. C'est vous allez venir apprendre quoi à qui. Nous on a accepté de vous dire que vous êtes les sapeurs. On vous dit ça comme ça pour vous faire plaisir. Personne, mais vous savez quand vous et nous là, il n'y a pas match. Non, nous on est trop beaux et sapeurs plus que vous. Vous-même vous savez ça. Voilà. On n'est pas pareil, on sera pas pareil. Voilà. Nous on sait parler français. On ne parle pas François, on parle français. Voilà, apprenez à parler français, imbécile que vous êtes. Bande de connards. Voilà. Donc voilà, hein. C'était moi ce matin. Maintenant la bâtarde là dit qu'elle va faire une vidéo pour me répondre. J'attends ta vidéo. Et puis tu vas voir comment toi et moi on s'est libéré en Dombolo. Tu vas voir comment toi et moi on s'est libéré en Ifrakata. Chienne là. Imbécile. Ok, c'était moi. Passez un très 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 bon dimanche. Voilà. Je m'en vais me préparer pour aller travailler parce que c'est ce qui est la vérité. Et puis voilà, que Dieu bénisse ma très chère Côte d'Ivoire. Voilà. Les Ivoiriens, arrête, faut ne laisser personne vous écraser. Voilà. Nous là, on est Ivoiriens, on est fiers de l'être. Il n'y a pas aucun. Voilà. Il n'y a pas l'homme qui peut nous écraser. Non. Même les blancs ne peuvent pas nous écraser. Avec raison, vous les semblants d'être humains. Là, vous allez nous écraser, ça ne va pas, non? Imbécile que vous êtes. Voilà. Donc, c'était moi. Je suis prêt à revenir s'il le faut. Voilà. Moi, là, c'est moi qui suis l'infatigable, en fait. Vous proclamez infatigable, mais quand vous arrivez sur moi, là, vers moi, là, vous vous arrêtez. Voilà. Vendeuse de je ne sais quoi, là, imbécile. Allez-y, vendre vos miennes, là, à Château Rouge, là-bas. Là, c'est votre travail qui est là. Et puis, foutez la paix aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas être nous. Hein. C'est si on commence avec vous, là, vous allez rentrer en brousse, vous tous. Imbécile que vous êtes. Ok. Bisous, 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 bisous là-bas à tous les vrais Ivoiriens. Voilà, puis on est ensemble. Bisous là-bas.